Vous écoutez RCF dans l'Orne à Alençon sur 93.8, à La Ferté-Massé sur 102.2 et à Flers sur 103.8. Voilà. Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle soirée de la foi en direct depuis le diocèse de C, depuis les studios de la radio RCF 61 et de la web TV diocésaine. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois pour ce rendez-vous interactif mensuel en compagnie de Mgr Jacques Habert, évêque du diocèse de C. Alors le principe de cette soirée est très simple, notre évêque nous propose ce soir quelques sujets de réflexion sur lesquels vous pourrez poser vos questions en direct, alors soit par téléphone au standard de la radio RCF, soit par internet. Alors pour les internautes, il suffit de vous connecter pour voir la vidéo en direct sur le site du diocèse de C. L'adresse est la suivante, www.orne.catholique.fr. www.orne.catholique.fr ou pour les catholiques francophones du monde, s'il y en a ailleurs, sur directcatholique.fr. Les indications sont données sur les sites concernés pour poser votre question en direct par chat à Mgr Habert. Pour tous ceux qui nous écoutent dans l'Orne sur les ondes de RCF 61, eh bien vous pouvez nous appeler au standard de RCF. Renaud Jules, le directeur d'antenne, vous répondra et il transférera tout de suite la question. Il vous suffit d'appeler pour cela, donc le standard au 02 33 80 20 61. 02 33 80 20 61. Mgr Habert, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Alors, heureux de vous retrouver. On est en plein cœur de cette semaine sainte avec vous. On va aborder quelques sujets. Vous allez nous parler dans un instant d'un pèlerinage que vous avez effectué en Terre Sainte avec quelques diocésains. On reviendra bien sûr sur l'élection du nouveau pape, le pape François. Et puis, si certains ont des questions d'actualité, eh bien pourquoi pas en fin d'émission, s'il reste du temps. En fin d'émission, on prendra quelques minutes aussi pour un temps de prière tous ensemble, en commun, en union de prière avec tous ceux qui nous suivent en direct. Mais peut-être on va aborder dans le topo principal de ce soir, Mgr Habert, la Semaine Sainte, avec un retour sur déjà hier, la messe chrismale. Il y avait beaucoup de monde à la cathédrale de C. Oui, la messe chrismale est un rendez-vous diocésain qui fait vraiment partie des rendez-vous qui comptent dans le déroulement de l'année liturgique. Nous étions très nombreux dans la cathédrale et c'est une messe qui a pris de l'ampleur depuis des décennies. Hein. Quand on parle avec les prêtres plus anciens, ils disent que souvent la messe chrismale était célébrée le jeudi matin et c'était un petit peu en comité restreint, les prêtres et l'évêque. Alors ça avait bien sûr toute sa valeur et tout son sens, mais là il y a le peuple de Dieu dans son ensemble qui est présent, les fidèles des différentes paroisses, des religieux, des religieuses, et puis pratiquement tous les prêtres du diocèse étaient présents. Une messe au cours de laquelle les prêtres renouvellent donc leur engagement sacerdotaux et il y a aussi une invitation qui est donnée à l'Assemblée de prier pour les prêtres et on ressent presque physiquement cet amour que les personnes portent aux prêtres, aux sacerdoces ministériels et puis la grande bénédiction des huiles qui serviront tout au long de l'année dans les sacrements de baptême, le sacrement de la confirmation, l'onction des malades et aussi l'huile des catéchumènes. Donc c'est une liturgie très belle et très ample et vraiment hier nous avons eu, malgré le froid dans la cathédrale, un temps de grâce qui a été vécu par toutes les personnes très nombreuses encore une fois qui étaient présentes. Ça donne vraiment une dimension communautaire diocésaine. C'est assez rare qu'il y ait des événements comme ça dans l'année où tout le diocèse se retrouve finalement d'une manière plus ou moins régulière. Bien oui, parce que tous les grands événements liturgiques sont vécus en paroisse, hein, que ce soit bien sûr Pâques, le Noël, la Pentecôte, et il est bon que chacun retrouve son lieu ordinaire, et l'unique finalement rassemblement liturgique qui est spécifiquement diocésain, c'est la messe chrismale, et je me réjouis vraiment qu'elle soit devenue, je crois, au fil des années, de ces dernières années, un rendez-vous qui compte, et voilà, on était en plus très heureux de se retrouver après pour un repas fraternel pour ceux qui s'étaient inscrits.
Dans la plupart des diocèses, c'est souvent le mardi saint, mais pas toujours. Alors j'ai vu sur internet ces jours-ci, c'est amusant, en Guyane, eh bien, c'est le lundi saint, vous savez pourquoi ? Non. Eh bien parce que les prêtres ont 2 jours de pirogue pour venir à cette messe chrismale, et donc pour être rentrés dans leur paroisse pour le jeudi saint, eh bien c'est le lundi saint, voilà. Alors Monseigneur, on va vous écouter justement dans ce premier topo principal de la soirée, sur justement le sens de cette semaine sainte, en quoi est-ce important. Et puis je rappelle qu'au moment de la pause musicale, tout le monde pourra poser ses questions pour tel ou tel éclaircissement. Voilà, oui, cette messe chrismale nous introduit à finalement ce qui est le cœur même de l'année liturgique, qui est la semaine sainte. Alors elle a commencé dimanche, bien évidemment, par la célébration des rameaux. Et peut-être que pour entrer dans cette compréhension de ce qu'est la semaine sainte, on pourrait citer une parole du père Antoine Chevrier, qui a fondé le Prado, en disant dans différents ouvrages que le plus important pour un chrétien, c'était de suivre le Christ de plus près. Et c'est bien ce que nous allons faire pendant tous ces jours saints. Nous le suivons dès le dimanche, donc des rameaux, nous l'acclamons, il entre à Jérusalem sur un âne. Nous allons bien sûr dès demain entrer dans ce qu'on appelle le Triduum Pascal, les 3 jours saints. Le jeudi saint, donc un jour d'intimité, de communion, le Seigneur institue en même temps l'Eucharistie et aussi le sacerdoce. Vendredi, ce sera évidemment le jour de tristesse et de souffrance par excellence. Jésus donne sa vie, Jésus meurt sur la croix, il est abandonné par ses apôtres et voilà qu'il est soumis à toute cette foule qui va l'humilier et le mettre à mort définitivement dans la crucifixion. Le samedi sera plus un temps de silence, un temps de recueillement, un temps d'attente. Et puis dès le samedi soir, nous entrerons dans l'espérance et la joie de Pâques avec la vigile pascale. Alors évidemment, l'idéal serait qu'on puisse prendre 3 jours de retraite pour se concentrer sur ces 3 jours saints. Ce n'est pas toujours possible, et même rarement. Mais la liturgie, dans son déroulement, nous aide bien à vivre ces événements. Et justement, pour reprendre la formule d'Antoine Chevrier, à nous tenir plus près du Seigneur. À la fois nous voyons, nous touchons, nous entendons. Dimanche, par exemple, nous avions des palmes à la main, des rameaux, et les gens qui rentraient chez eux, eh bien, témoignaient déjà de la Semaine Sainte, simplement par le fait d'avoir des palmes à la main. Jeudi, nous allons revivre le lavement des pieds. Donc, c'est un geste surprenant. J'ai souvenir de le faire avec des enfants du catéchisme, mais en même temps surprenant et en même temps très parlant de voir le célébrant, signe de Jésus, qui se met à genoux et qui lave les pieds de ses apôtres. Vendredi, nous allons aussi très concrètement toucher la croix, l'embrasser, la vénérer. Il y aura eu d'ailleurs le soir même du Jeudi Saint aussi ce temps d'adoration près du reposoir, le corps du Christ, nous souvenant de Jésus, invitant ses apôtres à prier, nous souvenant de Pierre, Jacques et Jean qui s'endorment, et Jésus qui leur fait ce reproche, « Vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. » Et puis dimanche, il y aura aussi beaucoup d'aspects concrets, dès le samedi soir, avec le feu pascal, avec la rénovation de nos promesses baptismales. S'il y a la chance d'avoir des baptêmes, ce sera aussi la mise en œuvre de l'eau vive que nous recevons. Bref, il y a tout un déploiement liturgique qui est vraiment aussi un des beaux fruits du renouveau de Vatican II par rapport à la réforme liturgique qui nous donne de nous tenir auprès du Seigneur pendant tous ces jours. Et nous pouvons aussi l'accompagner, par exemple le vendredi, par un temps de jeûne, un temps où nous essayons vraiment de limiter toutes nos activités pour être fixés devant la croix du Seigneur. Alors peut-être que finalement le mot qui résume le mieux, ou en tout cas qui peut aussi nous aider à prier, c'est le mot de corps. Nous allons vraiment suivre le corps du Christ, ce corps qui est acclamé, honoré le dimanche des rameaux, ce corps qui est partagé le jeudi saint. Jésus dit « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ». C'est ensuite ce corps qui va être maltraité, Jésus va être couronné d'épines, on va le flageller. On va lui cracher dessus et puis il sera crucifié. Son corps ensuite sera descendu de la croix, sera enseveli. Et il y a le dimanche matin ces femmes qui précisément vont pour embaumer le corps du Seigneur. Et toute la question finalement des 4 récits des apparitions de Jésus ressuscité, eh bien, c'est de savoir où on a mis ce corps, qui l'a dérobé, où a-t-il été déposé. Et lorsque les témoins, les femmes ou Pierre et Jean, lorsqu'ils courent au tombeau, eh bien, voilà, se tiennent devant ce corps du ressuscité, eh bien, ils sont tout étonnés et tous les textes nous le rediront. Ils auront bien du mal à croire. Alors,
tout ce déploiement liturgique que l'Église vraiment propose à tous les chrétiens, eh bien, il n'a qu'un seul but, bien sûr, c'est de nous replonger devant le mystère de l'amour de Dieu, et non pas simplement justement comme une belle histoire ou une théorie ou un beau développement théologique, mais précisément comme un événement qui s'est passé dans le cours du temps. Tout à l'heure, nous aurons peut-être un petit temps où je vous ferai part de ce pèlerinage diocésain en Terre Sainte. Eh bien, voilà, c'est cela la réalité de l'incarnation. C'est avec son corps que le Seigneur nous sauve. Et cette Semaine Sainte, eh bien, nous remet devant cette vérité. Alors, j'insiste sur le fait que c'est une occasion pour beaucoup, beaucoup de monde de venir dans les églises, y compris les gens qui ne sont pas forcément pratiquants régulièrement. Il y a donc un souci de les accueillir, de soigner tout spécialement le déroulement de la liturgie. Et puis, comme le temps de Pâques a été précédé par 40 jours de carême, eh bien le temps pascal, lui, va durer 50 jours. Donc si on additionne les deux, ça fait 90 jours dans la liturgique qui tourne autour de ce centre qui est la fête de Pâques. Donc pratiquement un quart de l'année est réservé finalement à se préparer et ensuite à vivre dans la logique pascale. Ça nous renvoie vraiment à la parole de saint Paul: si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, notre foi ne sert à rien. Alors profitons vraiment de cette semaine pour nous replonger dans ce mystère et de le découvrir peut-être chaque année, même si nous connaissons d'une certaine façon bien cette histoire, de nous y replonger d'une façon toujours nouvelle. Alors j'avais entendu une fois une phrase d'un évêque qui disait « Il n'y a pas de dimanche sans vendredi », ça voulait dire que peut-être pas de résurrection sans passer par ce chemin de souffrance. Oui, il y a parfois un risque de plonger directement dans la joie de Pâques, hein, qui bien sûr est le terme et le couronnement de ce vers quoi nous allons, mais cette joie de Pâques passe par la souffrance de la croix. J'aime bien, notamment quand je présente aux enfants ce qu'est un autel, l'autel où on célèbre l'Eucharistie, et je leur dis, cet autel c'est à la fois la table du Jeudi Saint, où Jésus réunit ses apôtres, et là il y a un climat de joie, mais cet autel c'est aussi la croix, hein, la croix du sacrifice, sur lequel Jésus va mourir, va souffrir, va donner sa vie pour nous, et là, incontournable, il y a la souffrance, il y a le rejet, il y a la trahison. Et puis cet autel, c'est aussi le tombeau ouvert devant lequel se trouvent les femmes et qui sont toutes étonnées dans un premier temps et ensuite qui se réjouissent, même si elles sont encore toutes tremblantes. Donc voilà, il ne faut pas dissocier les trois jours, jeudi, vendredi et dimanche. Et on sent parfois chez certains catholiques, hein, le fait de se centrer peut-être simplement sur le Jeudi Saint. Alors on va insister sur l'aspect fraternel qui bien sûr est incontestable. D'autres vont s'arrêter simplement le vendredi, alors on aura présentation des fois un peu doloriste de ce qu'est la foi. On va insister sur les souffrances du Christ qui sont réelles et qu'il ne faut pas évacuer. Saint Paul le dit aussi, n'évacuons pas le mystère de la croix du Christ. Mais si on s'arrête le vendredi saint, eh bien, c'est l'histoire la plus triste du monde que nous commémorons. Et puis d'autres vont peut-être simplement s'arrêter sur la résurrection avec une espérance qu'ils vont tout de suite proclamer, mais en omettant ce passage par le jeudi et le vendredi. Donc c'est une unité, c'est ce que notamment le Concile Vatican II, mais les théologiens ont résumé dans cette formule, c'est le mystère pascal, hein, le mystère pascal qui comprend les trois jours, jeudi, vendredi et dimanche. Alors je ne sais pas si certains auditeurs qui nous suivent sur RCF en direct ce soir avec vous Mgr Habert ou les internautes ont des questions à poser sur ce sujet qui est quand même un sujet profond. Alors je propose de faire une première pause musicale et pendant ce temps profitez-en pour poser vos questions. C'est tout l'intérêt de cette soirée en direct. Je vous propose une pause musicale sur ce thème avec les 7 dernières paroles du Christ de Joseph Hind, Père pardonne-leur, interprété par le Madrigal de Paris. C'est un CD aux ateliers Dufresne qui vient tout juste de sortir il y a quelques jours. Et puis, pour ceux qui veulent avoir la vidéo sous les yeux, je vous propose de méditer en même temps avec des photographies du chemin de croix de la petite église de Massé. C'est non loin de C, qui a été restauré tout récemment dans un style un peu naïf. Je vous laisse regarder. Et pour rappeler le standard de RCF, c'est le 02 33 80 20 61.
Vous écoutez RCF dans l'Orne à Argentan sur 93.4, à L'Aigle sur 106 FM et à Mortagne-au-Perche sur 91.7. Et toujours en direct avec Mgr Jacques Habert, évêque du diocèse de C jusqu'à 22h, en direct sur les ondes de RCF 61 pour tous ceux qui habitent dans le département de l'Orne et pour ceux qui ont internet, en direct vidéo sur le site du diocèse de C, www.orne.catholique.fr. Vos questions en direct au standard de RCF au 02 33 80 20 61, 02 33 80 20 61 ou par internet, par chat, tout est expliqué sur les sites internet. Mgr Habert, juste avant d'entamer les deux questions qui nous arrivent à l'instant, peut-être une remarque ou une réflexion sur ce que vous inspire la vision justement de ce chemin de croix, par exemple de l'église de Massé qu'on vient de voir. Bien, justement, je disais tout à l'heure que l'aspect des sens est important dans la liturgie de la Semaine Sainte. Hein, nous voyons, nous entendons, nous touchons. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment telle époque, telle spiritualité a traduit cet événement unique qui est la mort et la résurrection de Jésus, en focalisant l'attention sur tel ou tel point, la compassion, sur la souffrance, sur la paix, sur la confiance. Il y a notamment dans la représentation du crucifié, vous avez des crucifix où on voit Jésus qui est vraiment assailli de souffrance, qui est ensanglanté. Puis vous avez d'autres représentations de Jésus en croix où il est couronné, il est en royauté. Alors les deux choses sont exactes, c'est-à-dire qu'à la fois Jésus souffre, hein, il ne fait pas semblant de vivre sa passion, et en même temps il donne sa vie d'une façon souveraine et il sauve le monde. Donc chaque artiste a essayé de comprendre cette passion avec ce qu'il est, avec sa foi, avec sa sensibilité, et donc ça nous aide. Alors après on va les uns et les autres être plus ou moins sensibles à telle ou telle forme de représentation artistique. En tout cas j'ai bien apprécié ce chemin de croix de l'église de Massé, et notamment cet art naïf que vous évoquiez, et personnellement me parle beaucoup. Alors, il y a deux questions qui nous arrivent d'internautes. Une première question, comment est-il possible de rendre la liturgie de ces célébrations pascales accessible et compréhensible pour que ce qui se vit prenne tout son sens, donc à tous ceux qui ne pratiquent que très rarement? Ça a été une des lignes de force de la réforme liturgique de Vatican II, hein, c'est ce qu'on a appelé la participation active, qui est un mot ancien, au sens où déjà le pape Pie X en parlait, hein, de dire voilà, quelqu'un qui va assister à une liturgie, justement il ne va pas simplement y assister, il va y participer. Alors voilà, notamment la langue vernaculaire, c'est-à-dire la langue que l'on parle habituellement, aide. Évidemment, quelqu'un qui va entendre l'évangile en français va le comprendre, et l'importance pour les équipes liturgiques de poser des gestes bien signifiants. Alors il y a des choses qui parlent d'elles-mêmes, si vous voulez, une lecture qui est bien faite, une lecture qui est bien posée, un chant qui est bien repris par une belle chorale, eh bien tout cela aide. Et puis après il y a aussi l'accueil de la communauté, il y a tout un climat de prière, de silence, de l'intensité aussi avec lequel le prêtre va faire la prédication. Un certain nombre de signes sont posés. Alors il y a cette tension entre l'accueil, l'accessibilité pour les personnes, et en même temps, voilà, nous célébrons ce qui nous est donné par l'Église avec un certain nombre de règles qui fait que dans tous les lieux du monde, ben, ce sont les mêmes prières, ce sont les mêmes textes, ce sont les mêmes oraisons qui sont faites. Donc, tenir à la fois le respect de la règle, hein, parce que c'est aussi un signe d'unité dans l'Église catholique, et en même temps, de favoriser le plus possible que quelqu'un qui arrive, voilà, soit touché par... alors, on ne sera pas touché tous par la même chose. En même temps, tout n'est pas dans l'explication. Hein. Peut-être qu'il y a eu parfois des dérives où on voulait tout expliquer dans une liturgie qui devenait du coup très très bavarde. Hein. Et puis, il y a parfois des signes qui prennent sens au bout d'un certain temps et qui ne sont pas immédiatement compréhensibles par tel ou tel. Mais j'insiste aussi, c'est une communauté qui célèbre et du coup, c'est aussi une communauté qui accueille et qui le sait pendant cette Semaine Sainte, des personnes qui ne sont pas habituellement présentes dans les rassemblements dominicaux. Donc une attention toute particulière dans cet accueil fraternel et très respectueux de chacun. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté superstitieux pour les rameaux, par exemple? Parce que beaucoup de personnes qu'on ne voit jamais dans l'année à la messe viennent avec leurs rameaux, et il faut absolument qu'ils soient bénis. Hein.
Oui, alors il faut surtout éminemment respecter toutes les démarches. Hein, parfois, de fait, et quand j'étais prêtre dans le Val-de-Marne, j'avais parfois des petits agacements de personnes, des fois, qui allaient tremper directement les rameaux dans le bénitier pour qu'ils soient bénis. Donc voilà, tout cela, nous n'avons bien sûr pas du tout à le juger, mais plutôt à le saisir comme une chance d'évangélisation, parfois même de première annonce. Quelqu'un, d'une façon peut-être un peu automatique ou machinale, va aller chercher des rameaux. Et justement, s'il se sent bien accueilli, s'il y a une parole de bienvenue, eh bien, il aura peut-être le désir de rester pendant toute la messe et qui sait de revenir. Donc il y a des portes d'entrée très diverses par rapport à ceux qui sont un petit peu loin de l'Église. Et donc tout ce qu'on appelle d'une façon un petit peu générale la religion populaire doit être vraiment non seulement respectée, mais aussi compris comme une chance d'évangélisation et d'accueil des personnes là où elles en sont. Et la Semaine Sainte certainement favorise ce type d'évangélisation. Alors une seconde question posée par un internaute ce soir en direct. Bonsoir Monseigneur, quel était l'état d'esprit des apôtres de la Vierge Marie le samedi et comment peut-on faire le parallèle dans nos vies, donc samedi par rapport au samedi saint, quoi. Vous savez que le samedi est une journée plus spécialement consacrée à la Vierge Marie. Hein. D'ailleurs, dans la liturgie, quand il n'y a pas de fête particulière un samedi, on peut célébrer la messe en l'honneur de la Vierge Marie. Et donc là, on voit vraiment la place de Marie comme celle qui attend, contre toute espérance, la résurrection. Alors, on ne peut pas dire que Marie savait que le troisième jour, son fils allait ressusciter, mais Marie est celle qui porte dans la prière les apôtres, qui sont certainement, eux, désorientés, qui ont été dispersés, ils sont tous partis, à l'exception de Saint Jean, et il y a cette figure de la Vierge Marie, celle qui se tenait, Stabat Mater, au pied de la croix, et celle qui, dans la prière, dans la confiance, attend de revoir son fils vivant, sans bien sûr en savoir exactement la modalité. Donc pour nous, hein, la question est très très bonne, justement, de dire nous suivons Jésus de près pendant la Semaine Sainte. Et bien pour nous, ce samedi saint, c'est un temps, je crois, de recueillement. D'une certaine façon, on est déjà sorti du carême, mais on n'est pas encore arrivé à l'espérance de Pâques. Et on peut être sensible à tous ceux qui cherchent Dieu. Hein. Il y a eu des fois des théologies qu'on a appelées la théologie du samedi saint, où cette espèce d'attente, d'absence, où voilà, on risquerait de sombrer dans le désespoir. Eh bien non, Marie justement veille avec nous, Marie prie avec nous et pour nous. Et donc le samedi saint est un jour où nous pouvons le vivre en quelque sorte en présence de Marie et de recevoir avec elle la résurrection de son fils. Vous écoutez RCF dans l'Orne à Argentan sur 93.4, à L'Aigle sur 106 FM et à Mortagne-au-Perche sur 91.7. Alors toujours en direct avec Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de C. Pour ceux qui nous écoutent ce soir jusqu'à 22h sur les ondes de RCF, vous pouvez appeler le standard de RCF, c'est Renaud Jules qui vous répondra et qui transférera tout de suite la question. Vous appelez au 02 33 80 20 61. Alors il n'y a plus de questions sur ce thème pour l'instant, ça viendra peut-être tout à l'heure. Sur la Semaine Sainte, Monseigneur Habert, on peut peut-être en profiter maintenant pour revenir justement sur un pèlerinage que vous avez effectué en Terre Sainte avec quelques-uns de vos diocésains. Je ne sais pas, c'était un grand groupe. Ben, nous étions 52, c'est le nombre qui convient pour un quart. Et donc nous sommes partis du 2 au 10 février. Hein, et d'ailleurs, quand nous sommes rentrés le 11 février, c'était le jour où le pape Benoît XVI annonçait qu'il déposait sa charge de pontife. Voilà, donc ça a été un très beau pèlerinage. Vraiment, je remercie ceux qui l'ont organisé. Et j'allais dire, nous avons vécu un pèlerinage très, très classique, très traditionnel, commençant par Nazareth et plutôt le ministère public de Jésus, hein, allant dans les lieux que nous connaissons bien, le mont Tabor, autour du lac de Tibériade. Nous avons fait aussi une traversée hein, sur une barque à l'image des apôtres et puis le mont des Béatitudes. Nous sommes ensuite allés autour de la ville de Bethléem où nous avons médité sur le mystère de l'incarnation. Et puis nous avons terminé, c'était relativement rapide bien sûr, simplement 8 jours, mais nous avons terminé par Jérusalem où nous avons précisément donc médité la passion du Seigneur, se retrouver au lieu de l'agonie, se retrouver au Saint-Sépulcre. Alors dans ce pèlerinage en Terre Sainte et dans les lieux saints, il y a un petit peu deux sortes de lieux. Il y a ceux qui sont pratiquement inchangés. Quand on est auprès du lac de Tibériade, eh bien, on peut sans difficulté imaginer Jésus avec les pêcheurs que sont les apôtres qui l'appellent. Et quand nous sommes dans
dans le lieu, par exemple, du Mont Tabor. On peut imaginer cette, ce que l'Évangile appelle une haute montagne où Jésus va être transfiguré. À l'inverse, quand on est au Saint-Sépulcre à Jérusalem, beaucoup de gens ont été un petit peu décontenancés. Ils s'attendaient à voir une colline, le Golgotha, et puis le, un peu l'emplacement où les croix avaient été plantées. Là, nous sommes dans un contexte qui voilà, nous retrace finalement toute l'histoire des dévotions, des basiliques qui ont été détruites, qui ont été reconstruites, des différentes confessions chrétiennes qui se bousculent au sens propre du terme dans ce Saint-Sépulcre. Mais voilà, nous avons vécu ce temps comme un temps à la fois de vivre sur les pas même de Jésus dans ce pays où il a vécu et aussi de méditation. Alors nous avons notamment pris le soin d'ouvrir la Bible, hein, et le père Boitard, qui était l'animateur spirituel, avait été très sensible sur le fait qu'il fallait ouvrir à la fois l'Ancien et le Nouveau, non pas simplement la page d'Évangile qui correspondait au lieu où l'on était, mais savoir trouver, c'était souvent... assez facile, hein, de comment ce lieu où Jésus fait telle ou telle chose, eh bien, a été précédé par un événement de l'Ancien Testament que le Seigneur accomplit. Ça a été aussi pour nous une découverte de la Terre Sainte aujourd'hui et des communautés chrétiennes. Hein, nous avons célébré avec des communautés catholiques, hein, qui nous ont fait part en même temps de leur vie, de leur joie, de leurs souffrances, de leurs espérances. Hein, on le dit souvent et je profite de mon passage ici pour le rappeler, la communauté chrétienne de Terre Sainte a besoin de nous, hein, financièrement c'est évident, et la quête du Vendredi Saint est une quête qui est pour les lieux saints, mais elle a aussi besoin de notre venue, de nos pèlerinages, et elle a besoin de nos prières. Alors c'est une communauté qui est fragile, hein, si souvent des chiffres nous ont été donnés sur le nombre de personnes, le nombre de pratiquants, le pourcentage par rapport à la communauté musulmane ou aux juifs, et donc c'est une communauté qui parfois vit dans une très très grande pauvreté, y compris économique, et en même temps c'est une église qui a toute sa place. Ça me fait penser à cette parole du Concile Vatican II quand il dit l'église est le sacrement du salut, c'est-à-dire qu'elle est le signe donné du salut dans un contexte particulier, en l'occurrence le pays même où le salut a été vécu par Jésus, mais qui se vit dans une très grande fragilité. Voilà, et puis ça a été aussi ce pèlerinage un temps fraternel, communautaire. Le groupe a vécu des temps de partage très forts. Il y a eu notamment une soirée au début où chacun disait pourquoi il était venu. Et j'ai été pour ma part très impressionné. Alors des fois c'était une promesse de très très longue date d'un couple, en disant un jour nous irons en Terre Sainte, et la retraite venue, eh bien ils peuvent voilà, bénéficier de cette proposition. Parfois c'était l'occasion d'un décès, d'une souffrance très grande, que des gens s'étaient dit, ben voilà, j'irai à Jérusalem, j'irai en Terre Sainte. Et ce groupe a aussi va favoriser bien sûr le climat du pèlerinage dans nos célébrations, dans nos liturgies, dans nos prières, et aussi dans les évocations que nous faisions. Et puis, voilà, entre autres, hein, parmi toutes les choses que nous avons pu découvrir, également, c'est la situation sociopolitique du pays. Alors là, grande complexité. Nous avons rencontré des juifs, nous avons rencontré des chrétiens qui vivent en Terre Sainte depuis longtemps, notamment un père franciscain, et on se rend compte de la complexité, de la souffrance. Il y a ce long mur là qui fait plus de 700 km, hein, qui a été édifié il y a quelques années et qui sépare Israël des territoires occupés. Il y a cette question justement des implantations juives dans tel ou tel territoire. Tout cela est complexe, tout cela est source de souffrance. Et quand on prend le temps de réfléchir, d'écouter les uns et les autres, on se dit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir sur un chemin d'unité, de réconciliation. Et en même temps, on en voit aussi quelques signes. Hein, moi, c'est un petit peu le message que j'ai reçu, c'est que voilà, on va souvent souligner en Terre Sainte ces difficultés et en même temps cohabitent de fait, plus ou moins facilement, parfois d'une façon violente, mais cohabitent de fait des juifs, des musulmans et des chrétiens. De même qu'au Saint-Sépulcre, alors souvent on a des caricatures, on a une émission qui nous montre des bagarres entre les sacristains de telle ou telle confession chrétienne, donc ça nous fait un petit peu souffrir évidemment, et en même temps un père franciscain nous disait, ben, en même temps vivent de fait dans ce Saint-Sépulcre des confessions chrétiennes qui pourraient uniquement s'opposer, mais non, elles se respectent et elles se tolèrent, et finalement c'est aussi un signe œcuménique qui nous est donné. Voilà, c'est un pèlerinage, évidemment, c'est le pèlerinage, hein, parmi tous ceux que l'on peut faire, et je suis très heureux que le diocèse ait pu le proposer, et à la fin du pèlerinage, d'ailleurs, chacun s'entête
bien sûr qu'il ait peut-être envie d'y retourner, mais que voilà, il serait certainement à reproposer dans les années qui viennent. Évidemment, c'est un pèlerinage qui a un certain coût financier, mais là aussi, la solidarité a pu jouer envers tel ou tel membre de ce groupe. Donc ça vaut le coup de faire un petit sacrifice financier pour faire ce pèlerinage? Oui, il faut le planifier, qu'on ne peut pas se dire d'un mois sur l'autre, tiens, je vais peut-être aller en Terre Sainte. Il faut le planifier financièrement, mais aussi spirituellement. Je dirais que j'ai été très heureux de voir des personnes qui, finalement, à travers une attente parfois de plusieurs années, eh bien, avaient en quelque sorte mûri leur désir, avaient intensifié ce choix. Et finalement, ils allaient vraiment en pèlerinage. Et ils ne partaient pas les mains vides, mais ils partaient avec des intentions, ils partaient avec aussi une attente. Hein. Alors, bien sûr, chacun maintenant, dans le temps du retour, a pu peut-être déjà goûter tel ou tel des fruits de ce pèlerinage. En tout cas, nous avons prévu de nous retrouver en juin, au mois de juin, pour un temps de retrouvailles, et qui sera, j'en suis sûr, pas simplement pour regarder les photos, mais aussi pour se redire des choses, pour partager et pour prier ensemble, parce que je crois que ce que nous avons vécu là-bas nous a profondément unis. Et quand je vais dans telle ou telle paroisse et que je recroise le regard de tel ou tel pèlerin, eh bien voilà, c'est beaucoup de choses qui passent derrière un échange de regards. Alors justement, on va en profiter pour regarder quelques photographies faites par l'une du membre en tout cas de ce groupe de pèlerins du diocèse de C. Donc c'était début février en Terre Sainte, et puis je passe un peu de musique pendant ce temps-là. C'est l'occasion de poser des questions en direct. Il n'y a pas de nouvelles questions pour l'instant, soit par téléphone pour les auditeurs de RCF 61. Vous appelez au studio à Alençon 02 33 80 20 61 ou par chat pour ceux qui suivent et qui voient les images défiler en direct sur leur écran. Et puis je vous propose d'écouter en pause musicale de l'aurore au couchant par le groupe Verbum Panis, un groupe qui a été découvert notamment lors des JMJ en Espagne et qui ont joué lors de la messe à Avila. On écoute. Yeah.
Vous écoutez RCF à Alençon sur 93.8. Et toujours en direct jusqu'à 22h sur les ondes de RCF 61 et en direct vidéo sur le site du diocèse de C, www.orne.catholique.fr. Il reste encore quelques minutes pour poser vos questions. Vous pouvez maintenant poser des questions sur l'actualité qui vous préoccupe, même si Mgr Haber pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, ou si ça demande plus d'approfondissement, on pourra y revenir ultérieurement. On va peut-être parler maintenant, Mgr Haber, et bien justement du nouveau pape, le pape François, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Vous l'avez cité d'ailleurs dans l'homélie à la messe chrismale, vous avez dit qu'il fallait pas opposer François à Benoît. Oui, non, c'est un peu le risque qu'on entend dans tel ou tel commentaire. Voilà, il y aurait d'un côté le pape Benoît qui aurait été simplement un bon théologien, un mystique, un spirituel, un homme soucieux de la liturgie, et puis maintenant, voilà, une rupture, hein, parce que ça, voilà, ça aide à réfléchir, qui serait l'avènement du pape François, social. Non, c'est vraiment de... Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut écarter comme raisonnement, hein. Chaque pape, évidemment, a sa personnalité. Chaque pape et tous les pontificats depuis Saint-Pierre ont été marqués par des hommes particuliers et donc qui arrivent avec leur histoire particulière, leur sensibilité, si l'on peut exprimer ainsi. Mais il y a surtout avoir une profonde continuité. Dans ce qui a été le plus marquant, ça a été que c'était très inattendu. Hein, il y avait des noms qui revenaient, le cardinal Schönborn, le cardinal Ouellet, le cardinal Scola. Et puis voilà, on apprend un cardinal argentin, inconnu de beaucoup, qui devient pape. Et on sentait, après le commentaire des cardinaux, en tout cas des cardinaux français, hein, exprimant que voilà, c'était un choix qui avait été, et on l'a vu d'ailleurs, très rapidement établi, puisque... En 24 heures, finalement, le conclave c'est terminé. Et un homme voilà, qui va prendre le relais de ce que Benoît XVI a effectué avant Jean-Paul II et Paul VI. Voilà. C'est une chaîne, hein, la chaîne des papes depuis Saint-Pierre, encore une fois. Chacun a à répondre à ce défi qui est la mission du pape, qui est de conforter ses frères dans la foi. C'est ce que Jésus dit à Saint-Pierre. Quand tu seras revenu, affermis tes frères, à veiller sur l'unité. Et puis surtout à relever les défis du monde contemporain. On parle de la sécularisation, on parle de la déchristianisation, on parle de la nouvelle évangélisation. Toutes ces questions sont les questions que se posent toutes les églises à travers le monde. Et donc le pape, lui, en tant que celui qui tient le rôle de Pierre dans la barque de l'église, eh bien doit nous encourager, et il le fera avec ce qu'il est. Hein. Alors de fait, il est assez médiatisé en ce moment, mais c'est aussi le fait que les médias prennent une place plus importante. Le pape Pie XII ne pouvait pas être autant médiatisé parce que la médiatisation était moindre dans tous les domaines. Voilà, donc regardons, écoutons, et puis voilà, surtout recevons dans la foi tout ce que ce pape va nous donner, va nous demander et va nous proposer. Je me réjouis pour ma part que ces premières paroles et ces premiers actes symboliques soient bien accueillis sans aucun esprit de polémique, si ce n'est de... Mais encore une fois, c'est une illusion à rejeter, si ce n'est ce qui serait de l'opposer à Benoît XVI. Alors, ce sont les dernières minutes pour poser les questions à votre évêque, à Mgr Jacques Haber, qui est en direct avec vous jusqu'à 22h. On prendra un petit temps de prière juste avant 22h. Si vous avez des questions, profitez-en. C'est la dernière pause musicale maintenant, avec justement quelques images, cette fois-ci, d'une Pietà Percheronne. Je crois qu'elle est du XVIe siècle. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, Mgr Haber, mais dans votre agenda, vous étiez au manoir d'Igé vendredi dernier pour une célébration, une toute petite chapelle. Hein. Donc c'est un lieu, c'est celle-là, donc, oui. Voilà, c'est celle-là, donc je vous propose de la regarder en image pendant, on écoute de la musique avec une musique de Gouze, Le Seigneur m'a aimé, de l'Office des Ténèbres. Oh.
Vous écoutez RCF dans l'Orne à Argentan sur 93.4, à L'Aigle sur 106 FM et à Mortagne-au-Perche sur 91.7. Et nous terminons, dernière partie de cette soirée de la foi en direct avec notre évêque de C, Monseigneur Jacques Habert. Monseigneur Habert, il n'y a pas eu de questions pendant cette dernière pause musicale. Juste une remarque, je vous la lis. Sans vouloir opposer le pape Benoît XVI et le pape François, il semble que le pape Benoît XVI soit lui aussi allé célébrer l'office du Jeudi Saint dans une prison. Oui, c'est bien, bien probable, puisque l'auditeur le dit. Oui, voilà un exemple typique, c'est-à-dire que j'imagine que le pape François, quand il était évêque, devait aller célébrer dans une prison, peut-être à Buenos Aires, le Jeudi Saint. Donc il s'est peut-être dit, voilà, je vais, pour ma première célébration en tant que pontife romain, le faire dans une prison romaine. Alors, il n'édicte pas une règle, il fait ce choix personnel, en même temps ultra médiatisé parce que maintenant il est pape, mais tous les évêques du monde vont une fois ou l'autre au cours de l'année célébrer les messes dans des prisons. C'est plutôt autour du temps de Noël ou du temps de la Toussaint ou voire même du Jeudi Saint. Personnellement, je m'y rends à la prison d'Argentan et donc voilà, je pense que le pape Benoît XVI avait dû aussi vivre ce type de célébration. C'est vrai que la prison est un lieu qui nous renvoie à l'évangile. J'étais en prison et vous m'avez visité. Ce n'est pas par hasard que le pape François nous donne cet exemple. La prison est un lieu de souffrance, est un lieu d'enfermement. Et voilà, il va dans ce lieu porter cette miséricorde, porter ce regard de pardon. Et donc, il le fait au nom de toute l'Église. Et on peut imaginer que tous ceux qui vont être participants de cet office vont être très marqués et très touchés. Et à travers cela, percevoir quelque chose de l'amour de Dieu qui vient visiter ceux qui sont en prison, comme le dit encore une fois Jésus dans l'Évangile. Voilà, et c'est peut-être l'occasion de souligner le travail des aumôneries en milieu carcéral, et d'autant plus qu'il y a une nouvelle prison qui s'ouvre dans la région d'Alençon. Oui, alors là, profite de l'occasion. C'est de fait la prison d'Alençon est en train de s'ouvrir. Il y a du personnel, il y a aussi des prisonniers qui sont déjà rentrés. Et pour nous, Église catholique, le souci d'avoir à constituer une équipe d'aumônerie qui est déjà à pied d'œuvre et qui travaillera d'ailleurs en bonne intelligence avec l'équipe d'aumônerie de la prison d'Argentan. Ce sont encore une fois des lieux de souffrance, des lieux de solitude, des lieux de très grande pauvreté spirituelle, affective, psychologique. Et il est bon que l'Église y soit présent à travers ceux qui s'engagent. Et c'est une mission à la fois très belle et en même temps très rude, parce que les contacts qui se nouent sont des contacts évidemment très particuliers. Et voilà, on a du mal à voir un peu la fécondité de ce que l'on fait quand on est aumônier d'une prison. Et pour ma part, je suis allé donc célébrer déjà 4 fois à la prison d'Argentan et j'en suis toujours sorti très marqué. Alors il ne s'agit pas de bénir et d'oublier tout ce qu'ont fait ces personnes, bien évidemment, mais d'ouvrir pour eux le chemin d'un pardon, d'un salut et d'un avenir qui peut quand même s'ouvrir malgré les faits qui leur sont reprochés. Alors, et puis il y a une dernière question qui nous vient cette fois-ci non pas d'un internaute mais d'une auditrice de RCF. C'est une dame de 82 ans qui a longtemps animé un groupe de cathés et se demande comment elle peut aujourd'hui participer à la nouvelle évangélisation. Alors il vous reste une minute pour répondre à cette question vaste. Eh bien oui, c'est sympathique quelqu'un qui pourrait se dire, voilà, à mon âge, tout cela est un peu derrière moi, j'ai fait du cathé, puis maintenant c'est fini. La nouvelle évangélisation, quand on lit le message final des évêques, du synode, pardon, du mois d'octobre dernier, alors justement, ne donne pas de méthode, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il donne plutôt d'une attitude. Et dans les attitudes préconisées par les pères du synode, il y a la prière. Alors, souvenons-nous de Sainte Thérèse, patronne des missions du fond du Carmel de Lisieux. Souvenons-nous de toute cette immense chaîne de prières qui porte ceux qui sont justement en première ligne sur le combat de l'évangélisation. Donc cette personne peut, et elle le fait certainement, eh bien, prier pour ceux qui sont aujourd'hui catéchistes, prier pour les enfants, prier pour les familles. Et puis, encore une fois, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance de l'accueil. Moi, je pense que nous sommes dans une société où beaucoup de gens
cherchent la vérité, cherchent un sens à leur vie, cherchent du réconfort. Et s'ils entrent dans une église qui est ouverte, qui est accueillante, qui est paisible, nous faisons déjà un acte d'évangélisation. Et cela, tout le monde peut le faire. Hein. C'est ouvert à tous. Je pense à tous ces sanctuaires. Hein. Tout à l'heure, vous montriez l'image de cette Pietà, du sanctuaire à Igé, Notre-Dame de Pitié. Et bien, voilà un lieu où passe sans doute peu de monde, bien sûr. Et en même temps, il y avait quand même un certain rassemblement vendredi lorsque j'ai célébré la messe là-bas. Donc ce sont des lieux qui font signe, mais ils feront d'autant plus signe qu'il y aura des chrétiens, des pierres vivantes qui seront présents. Et donc j'encourage cette personne et tous les auditeurs qui veulent s'y associer à vivre cette nouvelle évangélisation aussi dans un accueil fraternel et très attentif à ce que cherchent et demandent ceux qui nous rejoignent des fois très ponctuellement. Merci Monseigneur Habert. Alors je vous propose de terminer en moment de prière avec justement les auditeurs de RCF et ceux qui nous suivent en direct vidéo sur Internet, de terminer par un temps de prière. Les remerciements d'ailleurs arrivent par chat ici. Alors juste une question piège. Vous voyez cette statue, c'est une statue de Sainte Claire. Alors ça n'a pas de rapport avec le pape François d'Assise, Claire d'Assise, non. C'est une statue qui nous a été offerte pour le studio Web TV du diocèse par les sœurs Clarisse d'Alençon. Alors la statue était dans un piètre état, on l'a restaurée, une bénévole l'a restaurée de belle façon. Savez-vous pourquoi elle est dans ce studio? Vous me posez la question? Oui. Ben, j'avoue que j'attends votre réponse. Voilà, puisque Sainte-Claire est la patronne des retransmissions télévisées, retransmissions en direct, tout simplement parce qu'à la fin de sa vie, mais je suppose que vous le savez, elle a assisté depuis son lit à l'office des frères situé à quelques centaines de mètres, de chez elle. Elle ne pouvait pas se déplacer, c'était à la fin de sa vie. Et c'était l'office de Noël. Et puis Sainte-Claire, on l'a fête cette année avec les 800 ans justement de ces rameaux où elle a quitté sa maison familiale pour devenir Sainte-Claire. Alors Monseigneur, on termine par un temps de prière. Je crois que vous avez d'ailleurs choisi un texte et puis on dira ensemble à notre Père ensuite. Hein. Voilà, je propose que nous réécoutions, parce que nous connaissons bien ce passage de la lettre aux Philippiens où Paul nous parle de Jésus, mais justement dans le chemin de sa passion, dans cet abaissement qu'on appelle en termes théologiques sa kénose, son dépouillement, hein, et qui est un chemin d'abaissement, mais qui marche vers un élèvement qui est encore plus grand, qui est la gloire de la résurrection. Écoutons donc dans le chapitre 2 de la lettre de Paul aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a relevé, il lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est une catéchèse que Paul nous propose sur ce chemin du Seigneur, qui est un chemin d'humilité, d'abaissement, de renoncement total et d'accomplissement de la volonté du Père, mais qui est aussi un chemin de relèvement, où le Seigneur est élevé au-dessus de tout. Et finalement, la conclusion de ce texte, c'est que toute langue puisse un jour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, nous qui avons cette grâce d'être chrétiens, nous qui avons cette grâce de le connaître, nous qui avons cette grâce pendant toute cette semaine sainte de le suivre de plus près, eh bien, concluons notre rencontre en redisant la parole que le Seigneur lui-même nous a confié. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Merci Monseigneur Haber, merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée.